Yeah, the most important of which is that Muhammad claims to be a prophet in the line of the prophets that came before him, and he confirms the scriptures and the possession of the Jews and Christians of his time, and he doesn't. He contradicts those scriptures, proving he cannot be a prophet. Oui. La raison pour laquelle nous pensons que Mohammed n'est pas un prophète de Dieu, c'est parce que il n'est pas de la lignée des prophètes comme décrit dans la Bible. On a des versets dans le Coran si tu veux. So they have the Quran, and maybe they can read it. Okay. Si vous avez le Coran, on peut lire le Coran. Tu peux les dire, moi je. Okay. I'll do it. Well, they'll be easier. I even gave it here for you. But anyway, go to chapter 2, Surah Al-Baqarah. Chapter 2, verses 40 to 44. You have a Quran, sir, guy? Mm-hmm. That's better, yeah. Two. Yeah, chapter 2, verses 40 to 44. There is a series of verses where the Quran repeatedly says that Muhammad confirms what the Jews and Christians have at that time. What they had at that time is what we have. So translate. Okay, Surah 2. Oui. Verset 40 à 44, oui. je les lis. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai si comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations comme un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez le salat et acquittez le zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous restez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Now, there's a couple more in Baqarah. I just want them to say, don't lose your place. Okay. Go to now verse 89. Surah Al-Baqarah, ayah 89. What chapter? Same chapter. Don't lose your place, because time is fleeting. So okay. C'est quel soit? C'est quoi 2? Verset 89. Okay. Surah Al-Baqarah. Chapter 2. 2, okay. 89. Yeah, 89. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Read verse 91. Why do you keep going off the page? Verset 91. Et quand on leur dit, croyez à ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous. Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Okay. Don't get off it. See, you did it again. Okay, go ahead. Is it like an addiction for you to get off of it? Go ahead. Can you go on your side and then it comes on my side? Okay. I want you to emphasize that the repeated pattern, there's a couple more that I want them to hear, is that he confirms what is with them, confirming what you have in your possession at that time, not something that existed long ago. Are you seeing that? Que Mohammed confirme les écritures devant lui. Okay, now 97 and 101. Okay. There's a couple more, I just want them to hear. Verset 97 et 101 et après. 97. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel, que celui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Et verset 101. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne le savaient pas. Final one, this one le is dernier. Surah An-Nisa, chapter 4, verse 47. Chapter 4, verse 47. And then we can engage this, because le dernier verset. If he confirms what they possessed, he confirms what they possess, that means he confirms what we have, because they have the same thing, but he contradicts what those Bible teaches. Vous confirmez, comme Mohammed confirme, ce que nous avons, on peut utiliser la Bible pour voir les critères à la Bible du prophète. Okay, so 447, Surah An-Nisa 447. He's going to read it for us. It's a little slow here, right? So slow. Yeah. That's why we needed the Quran with us, but I don't have a French Quran. Surah An-Nisa, it says. That's what they have with them. Yeah, you don't have a Quran on you, right?
Yeah, I don't have. No. So none of us. You yeah. don't. You no, don't read no, from. I know the verse. Okay, so you know what it says, right? It's talking about the Jews, yeah. that he confirms what they have with them, right. and their faces will be effaced if they do not believe in what was sent down to Mom. You know that, right? Okay, so le verset 4, j'ai compris. L'argument, c'est de dire, en gros, que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, en fait, ben, le Coran dit qu'il doit, en fait, il confirme en fait, ce que les Écritures passées disaient. Exactement. Et donc, en gros, il a confirmé la Bible. Exactement. Le problème, c'est que le Coran ne parle déjà jamais de la Bible. Jamais. Ça n'existe pas un verset qui parle de ça. Le Coran confirme les messages qui ont précédé. Autrement dit, ce que Allah il a révélé, la Torah, l'Évangile, les psaumes, etc. C'est tout. He said that there's nowhere that where it says that it confirms the Bible, but rather it confirms the message. No, actually, it doesn't. It says it confirms what's with them, what they possess. Non, il dit c'est pas vrai que c'est que ce qu'il dit c'est que ce qu'il confirme c'est ce qu'ils ont avec eux. Avec eux. C'est marqué où? C'est marqué là. All these verses we read. Then ce que vous avez avec vous. Surat al-Yunus, ayah 37. It says the Quran was sent down to confirm the Kitab that was before it. What? The word Bible, to explain to him the word Bible, le mot Bible, it comes from a Latin term, ça vient d'un mot latin, which comes from a Greek term, qui vient d'un which mot means book, grec, qui veut dire livre. It means books. So that means the Arabic equivalent of Bible is Kitab. L'équivalent, c'est Bible kitab. In Arabic would be Kitab. So when it says it confirms the Kitab that is with them, that means it's confirming the Bible, because that's what ça the Bible means, the Donc, book. Que so yes, the Quran does say le livre, quand il écrit livre, ça veut dire qu'il confirme la Bible. En fait, c'est comme le débat d'hier, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous mélangez les mots et les cultures, et surtout ce que dit le Coran, parce que le Coran, en fait, quand il utilise le Kitab, il a une spécificité. En fait, il parle des révélations qui ont été faites antérieurement. Jamais ça ne fait référence à la Bible, même si El Kitab, ça veut dire la Bible, en fait, en latin, mais ça n'a rien à voir. Il dit le Kitab, non, il ne veut pas dire la Bible, il veut dire les révélations. Je dois répéter le point, parce que je n'ai probablement pas clair. Je comprends, je très bien. When the Quran says, it confirms what you have, ils ont pas confirmé ce que vous avez. Non, mais dis-lui, il n'y a pas. What other book they have? It says, it's not in the Quran, what you have with you. Yeah, it does. We just read the verses. On vient de le lire. Non, c'est pas avec vous. C'est ce qui précède. Yes, it does. Which one? Go to 240, to 41. On va laisser lire. Le mieux, c'est de lire. Okay. So tu l'as, toi, what ça? With them. Ça, toi, tu read it so you can hear it slowly. Let me emphasize one second. Mm-hmm. If we all talk over each other, we're going to get One at a time. Let him pay attention to the verse that says, this is sent down to confirm what is with you. What is with them, what they have. Yes, it does say that. Ça confirme ce qui est avec vous. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos enseignements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation en ce qui était déjà avec vous. C'est bien ce qui était déjà avec vous. Oui, mais qu'est-ce qu'Allah il a fait descendre? Allah il dit qu'il a fait descendre Tawrat ou l'Injil, Surah 3, verset 3. Okay. It says Surah 3, verse 3, that he descended the Torah and the Injil. Okay, so now is he agreeing that the Quran is confirming? Because he said, no, it says the message. Now you change this. Est-ce que tu es d'accord que le Coran confirme la Bible? Because he first said, no, the message. Jamais, en fait, le Coran confirme le message de la Bible. En fait, il confirme les révélations qui ont été faites. Non, c'est pas changé la position. Confirming the revelations, but not the book, but not the Bible. But he just said it confirms the Torah and the Injil. So what revelation? La Torah et l'Évangile coranique, hein. C'est-à-dire en fait le message qui a été donné à Isa et à Musa. Coranic Injil and Torah. But the verse said whatever he confirmed was with them. What was with them? Ce qui était déjà avec vous, ce qui était avec vous. Donc c'était à la Torah. Leur parole. Bah la Torah elle est où? Et on la trouve dans la Bible, mais ça ne confirme pas la Bible. Okay. Read for him again 89, Surah 289, because the language is clear. What they have. He confirms. I confirm what you have. What you have. Not what came centuries earlier. En fait, je suis d'accord, mais attention, ça ne signifie pas la Bible. Ça signifie les révélations coraniques. On est dans le Coran. El Kitab, c'est les révélations, c'est les révélations spécifiques du Coran. The Bible confirms the revelations of the Quran. The verse didn't say it confirms the revelations of the Quran. At first, it says it confirms what the Jews and Christians had in their possession at that time. Oui, what they had. Torah, so he agrees. De la Torah et l'Évangile. La Torah, qu'on vient de lire.
De la Torah et de l'Évangile. Karim, ta traduction, elle doit être claire, parce que là, c'est filmé, il faut que ça soit clair. Moi, j'aimerais bien que tu traduises aussi en français clairement, parce que là, on ne comprend pas. Ok, très bien. S'il te plaît. Thank you. Ok, so, it's saying that confirms the message of the Torah. Karim, laisse-moi traduire, parce que si les gens... Vas-y, dis-moi, je veux que ça soit exactement ce que tu m'as dit. Français, in French. Le Coran... Lorsqu'il parle de Kitab, d'accord, il parle de la révélation en sens général, d'accord. Et les révélations qu'Allah parle dans le Coran, c'est la Torah, l'Évangile, le Zabur. Il n'y a pas la question de la Bible. Alors, si le Coran dit ce qu'il y a avec eux, oui, mais des messages qu'on vient de citer. Okay. Pas l'épître à Timothée ou la... The message in the revelation. You can say that it's not confirming Timothy. He didn't answer the question. So I'm going to repeat it. Again. Pas traduit ce que je viens de dire. Okay. My question. Since the Quran says, this book confirms. Que ce soit une phrase à la fois, comme ça je peux traduire. Vas-y. Ok, vas-y. Alors on recommence. Ça c'est important. Voilà. Sorry to translate. Okay, one sentence after. For translation, please. Okay. Yeah. Voilà. Because it's in French. Okay. Le Coran parle de Kitab. Okay. The Quran speaks of Kitab. Ça parle des révélations qui ont été faites auparavant. It speaks of revelations that came before. Ça ne parle pas de la Bible. Not of the Bible. C'est pour ça que le Coran dit que Allah il a révélé la Torah, l'Évangile et le Zabur. That Allah revealed the Torah, the Injil and the Zabur. No, I know these points already. So we're going to. Pour ce qui est, je termine. Okay. Juste une question. Donc, le Coran ne parle pas. D'autres livres, comme par exemple, comme j'ai cité, les livres après les évangiles, par exemple, le Coran ne parle pas des livres de Paul, de l'Apocalypse. The Quran does donc, not le Coran ne parle absolument pas de ça. Revelations and the letters of Paul and things of that nature. So, did he make this point? That's his point. Okay. So, actually, he's wrong again, because the same Quran tells him that Allah sent many messengers who are not mentioned in this Quran. That's Surah An-Nisa 4:163. Can you turn there? So again, he's mistaken. Traduit, Alex. On est très bien. Traduction. Il dit qu'il n'est pas d'accord puisque le Coran dit lui-même qu'il a envoyé d'autres messagers qui ne qui n'ont pas de problème. So he agrees. So, okay. So now, four. Go to 4:163 of the Quran. You have that in front of Surah An-Nisa 163:164. So I'm going to try to make my point clear so we can go to the next step and not argue what the Quran says about the Bible. Good. Because we're going to be here all night. 4:163:164. Okay. OK, donc, le chapitre 4, la sourate 4, verset 163-164, qui dit « Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Nous avons donné le Zabour à David. » Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah, effectivement, Allah a effectivement parlé à Moïse. Ok, now, so you can get the point. Here his own Quran says, there are many messengers who were sent, not mentioned by name. Ok, il y a plusieurs messagers qui ne sont pas, qui sont pas mentionnés dans le Coran. So now when we add to that, that the Quran says to the Jews and Christians, En plus de ça, lorsqu'on rajoute que le Coran parle aux Juifs et aux chrétiens, this Quran confirms what you have now. Ce Coran confirme ce que vous avez en vos possessions. What they had now was the letters of Paul. So if Muhammad doesn't say, I confirm. Ce que eux avaient, c'était les lettres de Paul avec eux. I confirm only those books, but not the letters of Paul. If he doesn't say that, je confirme ce que vous, l'évangile, mais pas les lettres de Paul. That means. The assumption from these verses is he confirms whatever they have. De ce verset, il confirme tout ce qu'ils avaient en leur possession. Ça, c'est absolument faux. Mm-hmm. Okay, so it's not true. Pourquoi? Okay, say, pourquoi? Show me now, show me in the Quran where it rejects any of the books of the Christians at the time. Montre-lui. Très simple. Well, we spent 20 minutes on irrelevant issues. Let's come back to the issue again. What was the book in the hands of the Jews and Christians at Mount Sinai? I hope we don't spend another 20 minutes making this point. Because then we're wasting our time if we don't answer questions. Il veut savoir quel était le livre dans les mains des chrétiens et des juifs
à l'époque de Mohammed. Il fait un parallèle entre le terme arabe et le terme latin. Ça n'a rien à voir. He said you're having a false parallel between the Arabic term of the book and the Latin. Mais il pose la question s'il y avait un livre. Notice he didn't answer my question. Révélation. Je comprends pas ça. Okay. Notice he didn't answer my question. I didn't say whether the Kitab is the Bible in the question. I said, what was the Kitab? Parle la Torah, l'évangile, le fameux, pas la Bible. That's what we're asking. Qu'est-ce qui était avec eux? What did they have in the time of Muhammad? Il a pas compris. Il n'y a pas de contradiction. Dis-nous ce qui était dans les mains. Il vous demande ce qui était dans les mains des chrétiens et des juifs à l'époque. Si on considère que ça c'est la Torah, les cinq premiers livres, que le milieu, les quatre évangiles. So this one was with them, except the letters of Paul. Okay, so they're listening. Listen. Dis-lui que je donne un exemple imagé pour qu'ils comprennent. Yeah. What is that? He's giving you an example so you understand. Okay. Le fait d'avoir trois parties de ce livre-là. The fact that there are three parts of a book. Ça contredit pas le fait d'avoir ce livre-là dans. Does not contradict the fact that it's the whole book. Le fait que moi dans ma main je porte la Bible. Okay. Ça signifie que dans cette Bible j'ai la Torah. J'ai quatre évangiles. Et il y a les donc, pour toi, les chrétiens de l'époque, the Christians of the time, ils avaient la Torah, l'évangile et les psaumes, c'est ça? Bah oui, mais dans leur Bible. Dans leur Bible. Bah oui, okay. So they agreed that they had those three things. Okay, so they had it. Ils avaient ça dans leurs mains. Oui. Okay, so it was there. C'était là. Okay, so now, the Torah they had at that time. La Torah qu'ils avaient à l'époque. The Psalms they had at that time. And the Gospel, do they agree with what we have now? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ce qu'on a aujourd'hui? We don't spend another 20 minutes on this. Ils ne sont pas bougés. Hein. Okay, no, they're the same. They're the same? Oh, okay. Enfin, ils sont d'accord. Alhamdulillah. Okay. So they agree, Ram? Oui. Okay, yes. So we finally got to that. Sorry, are you sure? Yeah. No, le okay. Pas David. Since they said, now here's my question to the gentleman. Now everyone heard, okay, now everyone heard, they had the Torah, et tout le monde a entendu que les juifs et les chrétiens de l'époque avaient la Torah, l'évangile et les psaumes de l'époque qu'on a aujourd'hui. Right. Good. And we have it now, right? Et qu'on l'a aujourd'hui. Good. So thank you for admitting the four gospels is the gospel of Jesus Christ. Merci d'avoir avoué que les quatre évangiles de Jésus sont. Attention, on n'a pas dit ça. You just admitted. Non, on a dit ils ont l'évangile. The gospel, not the four gospels. What gospel did they have at the time of Muhammad? Quel évangile avait-il? On a compris. C'est point est faux. You just pointed here. T'as dit qu'ils avaient la même chose qu'on a aujourd'hui. Débile, en fait, son point est faux. Oh, je l'ai compris depuis. Vous n'avez pas Matthieu, Marc. Je le suis depuis des années. Je répète ce point depuis 1000 ans. Okay, dis-lui. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la révélation de Jésus entre les mains. Là, Non, mais l'évangile de Jésus est compris dans les quatre évangiles. Mais le Coran ne parle pas des quatre évangiles. The gospel is in the gospel that they had. But it's not before. Did Muhammad say to them? I confirm what's with you. Mohammed leur a dit, je confirme ce que vous avez. Or did he say, I only confirm? Ou il dit, je confirme simplement. Parts of what's in your gospels. Une partie de ce que vous avez avec vous et une partie de votre évangile. We need to read the verses again. Non, vous n'avez pas besoin. Mais en fait, il dit simplement que vous avez, comme il a dit le frère tout à l'heure, vous avez avec vous, okay, la Torah de Moïse. L'évangile de Jésus, you compris dans votre texte. Moi, je veux comprendre, parce que ceux qui nous regardent, la Genèse exodétique dans Deutéronome, donc, ok, ce que ça aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'ils avaient spécifiquement dans leurs mains. Spécifiquement. On va faire simple. Oui, les chrétiens, en fait, de l'époque, bon, on va pas dire celle-là, parce qu'ils avaient une Bible avec plus de. Puis là, tu es en train de faire de la pub. Ok, très bien. Ils avaient un texte que eux appelaient la Bible. They had a text called the Bible. Okay. Le Coran ne parle pas de ça. The Quran does not speak of the Bible. Okay. Attends. Okay. On est d'accord. Le Coran dit que, en gros, en fait, il confirme ce qu'ils ont avec eux. Mais he confirms what they have with them. Ils ont quoi?
ce que le Coran spécifie. Whatever Quran, la Torah de Moïse, l'évangile de Jésus. Attends. La Torah de Moïse, Genèse, Exode, les cinq premiers livres. La Torah de Moïse, ok. Je ne parle pas de moi, je ne dis pas des mots. Je dis la Torah de Moïse, Et l'évangile, ils ont quoi? Ils ont Matthieu, ils ont Luc, ils ont Marc. En fait, c'est l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus. Mais il est pour l'heure pour vous. Ok. D'accord. Toutes les paroles soulignées en rouge dans l'évangile. Pas toutes, parce qu'il y a des qui ne sont pas bonnes. Donc, Karim et les musulmans, six siècles plus tard, sont beaucoup plus forts exégètes sur la Bible que pendant six siècles de chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens et les juifs appellent leurs écritures en arabe? Attends, mais que les chrétiens appellent en arabe Kitab al-Muqaddas. Kitab, right? Holy Bible. Kitab in English means what? En anglais, ça veut dire en français. How do you translate Kitab? Livre. It's what? Book, right? Okay. Go to Surah Al-Baqarah. 113. He just admitted they won't call it Bible, right? They will call it Bible, right? Chapter 2, verse 113. I want everyone here again. He said, at the time of Muhammad, the Arabic-speaking Jews and Christians, translate, at the time of Muhammad, the Arabic-speaking Jews and Christians, les Juifs qui parlaient en arabe de l'époque, would call their scriptures leurs écritures Kitab, right? Kitab. Oh, Kitab, yes. Now, chapter 2, verse 113 of the Quran, what were they reading? Et maintenant, on va lire le chapitre, le surat 2, verset 113. Read it. Qui dit? 2, 113, chapter 2, verse 113. Qui nous dit? Read it for us. Watch here. Écoutez. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. Okay, in Arabic, it says, and they both read the kitab, the book, which he just said. Kitab. What? That's what, yeah, it just said it here. Stuck for okay. Can you read 2, 113? Can you read one more time? Non, les juifs ne tiennent rien, alors qu'ils lisent le livre. Le livre. Le livre. El kitab. Kitab. El kitab. Didn't he say that what the Jews and Christians would have called the Bible at that time is Kitab? Les Juifs et les chrétiens de l'époque auraient appelé leur livre, it's not separate. Le Kitab. So why does he keep telling me the Quran doesn't confirm the Bible? Pourquoi tu dis que le Coran ne confirme pas la Bible? When the word for Bible at the time le mot pour la Bible, c'est is Kitab. And the Quran says that's what they have is the Kitab. Que c'est ce qu'ils ont avec le Kitab. Il fait du forcing. En fait, le Coran ne parle pas de ça. En fait, quand il dit, le Coran dit que les Juifs et les chrétiens lisent la révélation, le livre, c'est qu'ils lisent la révélation. Ils ont avec eux la Torah, les Juifs. Et ça, why doesn't it say they're reading the Wahi? Why it says Kitab, something physical? Non. Attends, le Coran, El Kitab, ça signifie la révélation, ça signifie. It means revelation. It means many things. Mais pour toi, mais quand quelqu'un lit le Coran tout simplement, parce que le Coran est simple. Oui, il est la révélation pour l'humanité entière. Quand quelqu'un lit le Kitab, et six siècles plus tard, la Bible était déjà dans les mains, comme on l'a aujourd'hui. Elle n'a pas été transcrite. Si elle a été changée, elle a été changée au premier siècle, au deuxième siècle, mais pas au sixième siècle. Ils avaient déjà la Bible qu'on a aujourd'hui dans les mains, dans leurs mains. Comme pour le point précédent, ça n'existe pas la définition que vous nous donnez en islam. C'est-à-dire qu'en fait, vous inventez des mots, vous nous dites... Al-Kitab dans le Coran, c'est la Bible. Jamais en islam, We need to move on. By the way, just for the record, I want you to translate again here. Did we say that they would have called it Kitab, or he said they would have called it Kitab? Qui a dit qu'ils auraient appelé ça Kitab? C'est toi qui as dit ça. Mais c'est normal parce qu'en fait, how are we inventing words when he admits that's what On n'a pas inventé de mots. C'est pas nous qui forçons quoi que ce soit. Non. Parce que c'est on utilise le mot que toi t'as que le Coran et que toi. Non, attends. C'est un faux raisonnement. Since at least they admit that the Torah is the Torah, right? Okay, comme they don't accept the gospel. D'accord que la Torah est la Torah et que l'Évangile est l'Évangile, que ce soit,
We heard it because I want to make sure. Because now I'm going to quote the Torah. So if they say no, that's not the Torah. Maintenant, on va lire la Torah. Et pour démontrer que. Question. Est-ce que la Torah est, la, est dans la révélation, dans ce qu'a dit en fait, Mohammed? Torah Zabur ou l'Injil. Oui, mais en fait, la Torah et l'Évangile. C'est ça qui est l'incompréhension. C'est des messages donnés aux messagers. D'accord. En fait, vous nous parlez de ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean ont rapporté. Nous, on vous dit. Allah, il te parle de l'évangile donné à Jésus. Ok, alors la Torah, maintenant, oui. Your choice de Torah? No? Yeah, because he said Torah, because he said, yeah, okay, okay. That Torah is the Torah. Okay, so donc, la Torah de la parole de Dieu, Moussa, la Torah, elle a été révélée? Parce qu'Allah, il a révélé comme Torah à Moussa. Voilà. C'est la parole de Dieu. Ok, ok, attention, Alex, tu peux traduire, s'il te plaît? T'as dit Karim, pour moi, c'est vraiment important. La nuance, c'est quoi? Ok. Please. Dieu a révélé à Moïse et la Torah. Revealed. To Moses is the Torah. Ok. Ok. One second before you go on. He said the Torah revealed to Moses is the Torah? He said yes. He said yes. Can he show me a verse in the Quran where it says the Torah was given to Moses? Est-ce que tu veux montrer un verset dans le Coran? This is an important point. Que la Torah a été révélée à Moïse. En fait, je connais son argument. En fait, c'est un argument qui est fallacieux parce que tout le monde sait que la Torah a été donné à Moïse et que dans le Coran, c'est juste une information qui était connue. C'est une information connue. Les Juifs, les chrétiens savaient cela. Le Coran vient juste dire que on a révélé la Torah au peuple d'Israël et on sait très bien que Israël a reçu la Torah par Moïse. He can't show in the Quran that the Torah is given to Moses. Il peut pas démontrer dans le Coran que la Torah a été donnée à Moïse. So he appealed to the knowledge of the people donc, at the time. Donc ce qu'il fait c'est d'aller en dehors du Coran aux connaissances des gens de l'époque. You guys heard that right? Because the people at the time les gens de l'époque had only these five books of the Old Testament as the books of Moses. Des livres de Moïse. Right? We're at that point now. Because when I quote this book, you can't tell me it's corrupt. Parce que quand il va dans ce livre, tu ne peux pas pouvoir dire que c'était corrompu. Because his knowledge of the Torah being given to Moses. Parce que tes connaissances que la Torah a été donnée à Moïse. Comes from the Jews at Muhammad's time. Vient des Juifs du temps de Muhammad. Yeah, so it's good. Because he can't show you an ayah where it says Torah was given parce to Moses. Parce qu'il n'y a pas un seul surat où il dit que la Torah a été révélée aux Juifs. Okay, so now the point is, this Torah shows Muhammad can't be a prophet. Et il va te montrer dans la Torah où il est prouvé que Muhammad n'est pas un prophète. Can we go on to the other one? Est-ce qu'on peut y aller? Allez, okay. Let's go.